d'automatiser la collecte des produits pour la seconde main. Prendre un exemple assez simple, vous avez un vieux téléphone, un vieil ordinateur, encore une vieille console de jeu qui traîne dans vos tiroirs, vous souhaitez la faire recycler ou racheter, on met à votre disposition des bornes de collecte connectées pour racheter ou recycler ces produits. Je suis originaire des Hauts-de-France et mon cofondateur lui était du Sud, mais on a choisi l'Hauts-de-France puisque notre but c'était d'aider à passer à l'économie circulaire. Et les Hauts-de-France étant une terre de retail avec Auchan par exemple ou encore d'autres enseignes, on voulait accompagner ces enseignes dans l'économie circulaire et donc les Hauts-de-France étaient tout désignés pour nous accompagner. Et notre incubateur Eura Technologies nous a permis de nous suivre et d'innover dans les Hauts-de-France. L'innovation, c'est la base de Reuse. C'était innover pour un monde de demain meilleur. Et donc, on a innové dès le début. On a commencé pendant nos études avec mon cofondateur à inventer cette borne de collecte connectée. Elle est faite à base d'IA, elle est faite avec de l'électronique développée en interne. Et on a une grosse culture de l'innovation. Je pense que l'échec, elle est au sein de notre entreprise. Le but, c'est de dire, oui, on peut échouer. On peut des fois ne pas arriver au bout du projet, puisque quand on fait de l'innovation, l'innovation n'aboutit pas toujours. Et donc, d'avoir mis cet échec au sein de nos équipes, de l'avoir décomplexé, ça nous permet d'innover tous les jours. On a eu la chance d'être accompagné avant la création de l'entreprise par HDFID via l'aide du FRI qui nous a permis à l'époque de déposer nos premiers brevets puisqu'on dispose de brevets sur notre borne, donc qui nous a permis de protéger notre innovation. Et ensuite, on a pu continuer à être accompagné dans le territoire des Hauts-de-France, mis en relation puisque aujourd'hui on industrialise notre borne de collecte dans les Hauts-de-France et donc HDFID a pu nous accompagner sur cette industrialisation locale. La dernière borne, elle vient de sortir de nos usines la semaine dernière. Et donc en fait, le principe, c'était d'avoir une borne qui est un Tetris, qui peut être aménagée en fonction des besoins de nos clients. C'est-à-dire quand on a besoin de récupérer des produits un peu plus gros, comme des perceuses, on peut mettre des casiers plus gros. Et elle est très modulaire. Et elle est fabriquée sur Carvin, dans nos lignes de production. Pourquoi le bois upcyclé? Pourquoi les matériaux upcyclés? Parce qu'il n'y a pas que du bois upcyclé, il y a aussi du volant de badminton upcyclé, il y a du bouchon de bouteille upcyclé. Le but, c'était que cette machine qui permet l'économie circulaire pollue le moins possible et ait un impact, en tout cas sur notre territoire, le plus faible possible. Reuse s'implante sur tous les pans du développement durable. Alors, via les matériaux upcyclés, via le fait d'industrialiser dans les Hauts-de-France, on crée de l'emploi, on fait en sorte de le faire bien, local et avec des matériaux upcyclés. Et en plus, on rajoute ce côté sociétal. Il faut savoir qu'une partie des produits qu'on récupère à recycler et qui peuvent être réparés à faible coût sont remis via Emmaüs Connect dans un circuit d'économie solidaire dans les Hauts-de-France. Donc on a vraiment de A à Z un produit qui vient de Hauts-de-France, qui est fabriqué dans les Hauts-de-France, qui sert à collecter et qui permet de remettre dans les circuits sociaux des appareils pour tous. On déploie dans la France entière en septembre ou en octobre dans plus de 120 points de vente un peu partout en France. Et dès cet été, on attaque le marché nord-américain. On ouvre notre antenne et notre filiale à Montréal dès cet été et on espère attaquer les États-Unis assez rapidement sur l'année 2024. Donc les enjeux sont ceux-là, c'est continuer à innover, continuer à permettre de récupérer toujours plus de produits. Aujourd'hui, on fait téléphone, tablette, ordinateur, console de jeu, ça on le fait très bien. On commencera dès octobre à faire le bricolage et on espère d'ici la fin de l'année inclure tout ce qui est petit électroménager dans notre boucle circulaire. À la fin, c'est de récupérer tous les produits pour remettre le plus de produits possible dans l'économie circulaire. C'est un modèle complètement innovant. La Reuse a mis en place finalement un modèle d'économie circulaire. On en parle beaucoup, mais là dans les faits, c'est vraiment ce qui se passe. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. Et puis surtout, c'est aussi une entreprise qui est très ancrée localement. Ce modèle économique repose vraiment sur une activité très locale. On n'est pas en train de parler d'exporter des réparations ou des téléphones à l'autre bout de la planète. Ils ont finalement créé une activité avec eux au centre et d'autres acteurs. Et donc ça, c'est vraiment, c'est un modèle qui est innovant. Et donc on a, avec HDFID, on a essayé de les accompagner depuis le début et aussi maintenant dans cette phase plus industrielle qu'ils sont en train d'aborder.